Et YouTube m'entend tenir, alors je vous retrouve pour la suite de The Evil Within 2, c'est parti. Alors, ce qu'on devait faire, c'est la quête principale, trouver d'où provient l'envoi de la petite fille utilisant le combinateur. Ouais, il fallait jusque là, ça, je sais pas si je dois le faire maintenant. Et là j'ai vu un truc qui était plus important, journal du Chronomobius, pièce argent. On va faire ça, on va voir ce que c'est. Ouais, c'est bien, tant mieux. C'est là-dedans, mais est-ce que je peux rentrer? Attends. Non, non, c'est là-dedans. Je peux pas rentrer, je crois. Ah, si, si, là, il y a des escaliers, c'est bon. On va aller voir. Examiner. Ok. Bon. Bravo. Ok, j'entends des zombies là. Oula. On verra plus tard. Là, juste en haut, là, j'ai vu. C'est en haut qu'il est mort ou c'est en bas? Oula. Non, c'est là. Wow, il y a une arme par contre. Balle fusil précision. Je vais attendre. Je sais pas ce qu'il va faire du coup. S'il bouge pas, je vais aller le voir. Hein. Ok, là je peux aller. Voilà. On va tout en gel. Et on va prendre le fusil de précision. Journal du com' du PS de rechange. Une transmission d'un échange se trouve sur le commutateur. Et là, nous sommes sur le toit du bâtiment, aux côtés du centre d'information. J'ai exposé le canon dans mon fusil de précision. J'ai besoin d'une pièce de rechange maintenant. Les pièces sont dans le cabanon en face du garage d'Union. C'est au nord-ouest de la ville, juste à côté de la faille. Sérieux, je vais pas. Je m'en fous de savoir où elles sont. Apporte-les-moi avant que les choses me trouvent. Merde, pourquoi c'est toujours moi la mission dangereuse? Yes. Voilà. Ah, mais il est cassé. Ce fusil de précision est dans un sale état. Il serait possible de le réparer. Non, ok. J'ai le réparer. Foutu, mais le reste a l'air intact. Va falloir que je trouve des pièces pour le réparer. Mais est-ce qu'il y a... Ça, c'est quoi? Cartouche. Pochette. Ammunition pour pistolet, pièce à rechange pour fusil de précision. Bah voilà, en plus, il est juste à côté de ça. Donc, bon, je pense que je vais y aller. Cartouche de fusil à pompe. Ok, bon, tout ça on verra plus tard. C'est bon, j'ai pas le fusil à pompe, je sais pas du tout où il est. Bon. Là en même temps, tant mieux que j'ai trouvé ce que je voulais. Enfin. J'ai trouvé vraiment sans faire exprès quoi. Sinon je l'ai vraiment trouvé. En plus je pense que la cartouche. Non, la cartouche elle est plus vers là-bas. Putain. On sont trop nombreux ici. Un pochette de munitions pistolet, ça c'est quoi? Balle de pistolet, ouais. Ça sert à rien, pour l'instant j'en ai pas besoin.
Une hache, donne. Ça, quand je voudrais m'en servir, j'en aurai une. Ça, on prend. On va aller juste chercher. Vas-y, montre. Ah ouais, il y a un petit point là, un petit point là. Il y en a pratiquement partout. Hein. Va voir le petit point qui est juste là. Il est dans le train ou pas? Ouais, il est dans le train. Attends, je vais aller le voir. En même temps dans le train il y a... Oh non, c'est trop loin, non. Ah d'accord, je peux plus sortir. Gel rouge, ce mystère est liquide coulant. Couleur sang sert à déverrouiller de nouvelles aptitudes. Non, pas je peux plus. Ah voilà. Yes. Bon. On va se casser d'ici. Voilà. Pourquoi je peux plus? Voilà. Là, il y a un autre signal. Bon, allez, je vais juste au signal qu'elle a. C'est quoi Qu'est-ce qui se ça? passe? Tu vois pas que c'est encore elle? Ça lag. Elle est où? Mais comment je rentre dedans? Ah, on va sortir plutôt de là. Ah, mon dos, il me gratte. Voilà. Et je peux l'utiliser qu'une seule fois. Après, je suis obligé de faire ça. Ça et là ça marche par là. Attends, il me le faut ce truc. Sinon elle part pas elle. Yes. C'est pas ça qu'il me faut. Quoi?
C'est fait exprès ou pas? Pièce de rechange pour fusible de précision. Genre, elle part jamais la meuf là ou... Parce que là en fait je trouve pas mon truc hein. Je sais pas si je vais l'avoir. Et j'essaye de mourir mais... En fait c'est que je peux pas... Genre vous voyez, je passe à travers. Je vais retourner la voir. Bah ouais, mais je peux pas en fait. Bon, pourtant quand même, avec sa mère. Ah bah elle est là. Est-ce quand tu disparais ou sinon? Parce que bon, c'est pas que je t'aime pas, mais... C'est que ça devient relou. Bon. Je vais aller sauvegarder. Je sais pas si c'est une bonne idée d'aller sauvegarder. Elle a disparu. Wesh! Yes. Il est mort comme ça. Allez, on va à l'opération, la sauvegarde. Ok. Fumigène. Le miroir. Rapport numéro 122. Recrutement. Recrutement et ce. Le nombre de candidats reçus via les centres mis a dépassé celui des tests médicaux. Inscrire les centres mis sous le régime exonéré des institutions et religieuses a fait augmenter les revenus que nous avons réinjectés dans les extensions pour accueillir les flux de nouvelles recrues. L'utilisation de la programmation neurolinguistique. Neurolinguistique pour Monsieur Wallace crée des recrues mentales bien plus médaille stable que les précédents candidats au STEM. Les recrues des centres MU sont également amenées à couper volontairement tout lien avec leur famille, ce qui allège la précision sur les opérateurs de Mobius dans la police, ainsi dégagée de toute la paperasse liée aux personnes disparues. Je recommande ainsi que les procédures de recrutement par le centre de MUS soient standardisées pour tous les nouveaux citoyens. Sa réussite est retentissante. Ok. Ok, pour l'instant, je n'ai pas perdu de vie.
Le miroir, on va l'oublier. Ça. Balle. Ça sert à rien. La porte est déverrouillée. Je peux passer. Ça, je peux le prendre. Ils ont bien des sons ici. J'ai bien fait de passer par là. Bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver. Enfin, qu'on va essayer de voir si on peut le faire. J'espère, comme ça après j'irai voir la petite fille qui pleure. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Calme-toi frère, respire. Même si t'es mort. Tu fais genre un peu trop bruit mec. Clou, ces longs clous en acier sont normalement utilisés dans les bâtiments, ils sont parfois pour une utilisation en tant que charpelle. Ce composant peut être utilisé pour fabriquer des objets utiles. Ouais, c'est ça quoi. Ah d'accord, il me manque un. Pièce de rechange plus. Ah ben voilà. Ces pièces devraient m'aider à réparer le fusil de précision. Oui, allez. Bah un. Pas besoin d'en avoir deux, du coup. Ok. En vrai, je pense que je peux créer d'autres carreaux. Ça, j'en ai qu'un. Bon. Voilà. Maintenant que j'ai le fusil de précision, on va le mettre là. Nice ça. Voilà, on peut aller voir la petite fille. J'arrive. La pompe, on l'a pas trouvé, mais la map elle est grande quoi. Enfin, elle est assez grande pour tout le monde. Point de sauvegarde, miroir, cafétéria, tapis. C'est pareil. Il n'y a que deux sauvegardes par contre. Quelle tristesse! Ce petit magasin là, pit stop. J'arrive. Je pense c'est vraiment Lily. Ah, elle est toute petite. Va voir Lily. Ouais, c'est Lily. Elle est juste passée par là. Bah ouvre Lily, tu es là? Non c'est papa. Où est-elle passée? Ah t'es bête toi aussi. Tu crois vraiment qu'elle va être là?
Elle est pas là, Lise. Lily. Elle est passée par là. Tout va bien. C'est moi. Mais c'est pas elle. Bon sang. Allez, calme-toi. Comment est-ce que je peux entrer là-dedans? Bah, pff, tu pousses ça. Réfléchis. Là, tu pousses. Tu rampes. Il y a un truc là par terre. La poupée de Lily. Oui. Elle était là. J'escalade. Putain. Faut vraiment que je sorte dehors. Poupée de Lily obtenue. Ok, faut que j'aille de l'autre côté. Du coup, c'est ce que je vais faire. Qu'est-ce que c'est ça? S'enfuit par là. Okay, Lily. Où est-ce que tu t'es enfui? Je pense pas qu'il s'enfuit. J'ai peut-être fait choper. Qu'est-ce que... Un autre signal. Parfait. J'arrive, ma chérie. Accroche-toi. Ça. Oui, je me fais peur. Calmez-vous, par contre. Ils sont excités, hein. On peut pas prendre les voitures? Non. Ok. Bon. Du coup, la voie revient de là-bas. On va aller voir par là-bas. Putain. Qui est plus que lui, quoi. On parle plus. Prends le frère, il a fait un salto. Ça, c'est pas normal. Ok, on s'y approche. Elle est rentrée dans cette maison-là. On va réessayer. Alors, est-ce que t'es parti? D'accord, donc toi, t'as fait ça pour aller là-bas. Par là.
là. Du sang. Vieux de plusieurs jours. J'espère que ce n'est pas celui de Lily. Ah non, je pense pas qu'elle souffle là. Quoi? Elle est où là? Ouais, ça arrête de. Attends, je vais voir comment ils vont. Parce qu'il y a des gens ici qui ont peut-être des indices pour moi. Tac. Merde, pas moyen de récupérer du matériel si toutes les caches sont envahies par ces choses. Oh, ça devrait suffire. Vous sortirez pas d'ici, mes salauds. Jess, ici Ryan, réponds. J'ai enfermé un tas de ces trucs dans la salle qui se trouve sous le garage. Je suis en route pour le centre d'information. Jess, tu me reçois? Merde. Il y a du matériel là-dessous? Il va falloir que j'aille voir ça. Bah écoute, apparemment. Voyons voir comment ça marche ça. Non. Non. Je sais c'est lequel. D'abord lui. Lui. Non, lui il en fait trop. Je pense que j'ai compris. Non. Lui il en fait trop aussi. Lui il en fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Mais non, c'est pas possible. Deux. Quatre. Je suis sûr que c'est lui au tout début. Après, ça doit être lui. Non. Lui? Non. Et tu peux pas activer les 4 en fait. C'est pas possible. Parce que là c'est ta. Il fait combien lui? 4. Non. Il faut peut-être en activer que 3 alors. Putain, j'entends quelqu'un, mais c'est où en dessous? Mais je peux pas la buter en fait. Eh ben. Elle rigole pas, hein. Non? Comment je fais en dessous? Apparemment, on peut aller en dessous. C'est peut-être lui.
Voilà. Allez, vas-y. Bon. Me voilà en dessous. On suit la voie de Lily après. Ah d'accord. Il a buté son collègue. Il est malade ou quoi lui? Du coup comment je sorte là? Non, en plus ça me ramène par là. Ça c'est quoi ça? Pas de code. Rip. Ça, je peux pas l'ouvrir. Yes. Il y a quoi dedans? Non, parce que j'ai fumigène. Ah non, un carreau explosif! Ah, c'est toi qui se colle! Nice! Les anciens ils se collaient pas, je crois, sur le 1. Ils font pas des ficelles. Je peux continuer par là. De toute façon, il faut que j'aille par là. Donc, tant mieux. Ouah, je t'ai vu le fil. Je crois qu'on peut pas le. Oh, on est obligé. Je savais qu'il était vivant. Ça se voyait, mais de loin. Voilà. Je pense que je peux en refabriquer en plus. Merde. Ouais, m'en rigoler de passe. J'ai l'impression que vous êtes pas du tout là pour rigoler. Arrête! Dernier avertissement. Bouge pas! Bon. Si bouge pas comme si les zombies il allait. Et genre, ok, bon, je vais me mettre en prison. Hein. Ah, c'est un zombie, tu le tues, basta. Ouais, du coup, j'ai fait ça pourquoi là? Parce que bon. Ah, voilà. Il y a aussi ça. Voilà.
Parfait. Allez, on se casse. On va re-suivre la voie qui est là-bas. On part par là. Pas très loin. Ok, j'y suis. Ok, où est-ce que tu vas là? Dieu merci. Comment ça, Dieu merci? Ok, elle va jusqu'à là-bas. Elle se cache en dessous. On dirait qu'elle s'est cachée ici. Oui. Ben, elle s'est cachée ici. Après, elle est partie par là. Où elle va? C'est quoi alors ce truc là? Elle est sûrement dans cet entrepôt. Petite maligne. Je parie que cet endroit déborde de cachettes. Comment ça, petite maligne? Putain. Heureusement que j'ai des bouteilles. Et j'ai pris un peu de balle. What? Parce qu'il me donne pas des balles. Je suis où? Je sais pas. Pas le pistolet. Là, il m'en faut. Hein. De toute façon, j'ai plus que ça. Moi. Bah là, il y a un... Oh non, c'est la pompe. Prendre du coup. Il est parti par là. Le courant des portes. Bah fais-le. Ce câble me conduira à une source d'alimentation. Je sais pas. Ok, bon, on va rétablir le courant. De l'autre côté. Voilà, toi tu meurs. En vrai, je pense que j'aurais dû le laisser aller jusqu'au feu. Et juste tirer une balle. Bah voilà. J'espère que ça a marché. Ça a marché, t'inquiète. Enfin, j'espère. Mais normalement ça a dû marcher.
Bon, en tout cas les amis, ça va être tout pour l'instant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur The Evil Within 1, 2, pardon. Si vous avez aimé, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et on se dit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.